L'économie britannique connaîtra une croissance quasi nulle cette année, a annoncé mercredi la Banque d'Angleterre, qui a donc revu à la baisse ses prévisions. La crise de la zone euro, conjuguée aux mesures d'austérité mises en place par le gouvernement Cameron, continue de peser sur l'économie britannique. Quant aux Jeux Olympiques, il ne devra apporter qu'une petite contribution à la croissance. Contrairement aux athlètes, notre économie n'est pas dans une forme optimale, mais elle récupère doucement, indique le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Un certain nombre de conditions nécessaires à une reprise sont en place et le comité de politique monétaire va faire tout son possible pour encourager cette reprise. Pour relancer la croissance, la Bank of England avait repris le mois dernier son programme de rachat de titres, injectant plus de 62 milliards d'euros dans l'économie britannique. Une économie qui, selon les dernières estimations, pourrait retrouver une croissance supérieure à 2% au deuxième trimestre 2013 et non plus au début de l'année. La Banque d'Angleterre qui a par ailleurs revu à la baisse sa prévision d'inflation pour l'année en cours.